Question 4. In a chemical reaction, a compound X is formed from two compounds Y and Z. The masses in grams of X, Y, and Z present at time t seconds after the start of the reaction are X, 10 minus X, and 20 minus X respectively. Vidya X, so massly, small letter X, compound Y, so massly 10 minus X, a compound Z, so massly 20 minus X. Next phrase, at any time, the rate of formation of X is proportional to the product of the masses of Y and Z present at that time. Vidya rate of formation of X, ka X performe, rappelle bien ki compound X, so massly small letter X, alo dx by dt, l'injali pou proportional to the product of Y and Z. Y so massly 10 minus X, nou fè product avec Z so mass, li 20 minus X. Yen rate of formation, alo mass pou augmente, li pou positive, nou repon pa oti A, alo dx by dt, li pou vin égal k times 10 minus x times 20 minus x. Next, in the new condition, ka t égal 0, x t pou 0, et dx by dt li pou 2, nou pou besoin de sa deux conditions là ici. Nou remplace x par 0, de la dx by dt pou vin 2. Alors, li vin 2 égal k fois 10 retire 0 fait 10, 20 retire 0 fait 20. Alors, k pou vin 2 divise par 200, et 2 divise par 200, réponse pour vin 0.0n. Alors, differential equation pour vin dx by dt is equal to 0.01 times 10 minus x times 20 minus x. Alors, ça c'est réponse pour partie A. Next, nous répondons partie B, just solve the differential equation and obtain x in terms of t. Alors, nous mettons ça sur n, nous cross multiply. Li pou vin 1 dx is equal to 0.0n fois 10 retire x fois 20 retire x fois dt. Alors ça débraquet là, nous avons li à gauche. Li pou vin n sur 10 retire x fois 20 retire x dx égale right hand side divin 0.0n fois dt. Alors nous integrate both sides. Alors, left hand side, sa expression nous besoin casser en partial fraction. Il y a une proper fraction et qu'on a deux lignes facteurs en bas. 10 retire x, 20 retire x. Alors, ça, les pouvez. A over 10 minus x plus B over 20 minus x. Alors, si nous combine right hand side, de la numérateur pour venir A fois 20 retire x plus B fois 10 retire x. Alors, next, nous pouvons remplacer ben, différents valeurs x. Nous essayons x par 10. Alors, si nous remplaçons valeur x par 10, devine n égale 20 retire 10 fait 10, devine 10a. De la valeur a pour vin n sur 10. Next, nous remplaçons valeur x par 20. Et si nous remplaçons valeur x par 20, li pou vin n égale b fois négative 10. De la valeur b pour vin négative n sur 10. Ça, c'est valeur b. Alors, nous gagnons valeur A, l'invin n sur 10, et valeur B, l'invin négative n sur 10. Alors, next, nous pouvons casser sa fraction en deux parties. Ben, coefficient A, et ben, nous avons l'idée, l'invin n sur 10, fois, ici, l'invin 10 retire x dx, plus valeur B, l'invin négative n sur 10. Alors, ici, l'invin négative n sur 10, intégrale de n sur 20 retire x dx, et ça pour égal right hand side divine 0.01 fois dt. Next, qui nous capable observer qui 10 retire x sur dérivative de négative n. Ici aussi, 20 retire x sur dérivative de négative n. Alors, nous pouvons fois par négative n là-haut et en bas. Ici aussi, nous pouvons fois par négative n là-haut et en bas. Alors, qui peut arriver divine n sur 10, intégrale de négative n sur en bas, il y a 10 retire x. Là, ça est négatif. Là, nous avons l'idée intégrale. Là, il y a négatif n sur 10. Et next, il y a négatif n sur 10. Integral n fois négatif n. Là, on fait négatif n. En bas, 20 retire x. Et négatif n, si nous avons l'idée intégrale, il y a négatif, négatif pour faire l'idée positive. Ici, pas oublier, on a dx. Ici aussi, on a dx. Et ça pour égal intégrale de 0.0n dt.
Alors, l'unité grade, il pouvait être négatif n sur 10, ln de 10 retire x, plus n sur 10, ln de 20 retire x, égale, right hand side, pouvait être 0.0n, t plus c. Et next, pour nous rendre valeur c, il y a une condition qui nous donnait, que t égale 0, x égale 0, nous remplacer, que t égale 0, x égale 0, alors si nous remplacer, nous pouvons négatif n sur 10, ln de 10 retire 0 fait 10, plus n sur 10, ln de 20 retire 0 pour faire 20, égale 0.0n fois t dit 0 plus c, alors ça c'est valeur c. Next, nous avons simplifié valeur c, dit n sur 10 ln de 20 retire n sur 10 ln n sur 10 ln de 10, ça égale c, nous avons factorisé n sur 10, divine ln de 20, retire ln de 10. Next, nous avons servi division law, divine n sur 10 ln de 20 sur 10, alors valeur c, divine n sur 10 ln de 20 divisé par 10 fait 2. Next, nous remplaçons valeur c dans nos equations, divine négatif n sur 10, ln de 10 retire x, next plus n sur 10 ln, nous allons swap ça des termes là, si tu as envie, nous allons swap li. Ok, pour négatif là, reste la deuxième terme, c'est plus facile. Alors, il y a n sur 10 ln de 20 retire x, retire n sur 10 ln de 10 retire x, égale 0.0nc plus n sur 10 ln de 2. Next, ici nous capable avoir sa terme là à gauche ou ce qui nous capable faire nous ca multiplier partout par 10 plus facile ben n sur 10 là aller nous prend équation là partout nous pouvoir par n sur par 10 là tout ben n sur 10 coefficient qui pour aller alors ici vous venez retirer ln de 10 retire x égale 0.0n fois 10 fait 0.n t plus ici divine ln 2. Alors, next, ici, nous appliquons division law, divine ln de 20 retire x sur 10 retire x. Sa terme là, nous avons à gauche, nous pouvons retirer ln de 2 égale 0.nt. Next, nous pouvons ln de 20 retire x sur 10 retire x. Et si nous appliquons division law, nous pouvons diviser par 2. Alors, 2 là, nous pouvons en bas ici. Ça peut égale 0.nt. Next, nous avons ln à droite, nous pouvons 20 retire x. Sur en bas, si nous expand, nous pouvons 20 retire 2x, ça peut égale e power 0.nt. Next, nous mettons ça sur n cross multiply. Alors, nous redonnons un petit place pour continuer ça de voir là. Nous pouvons 20 retire x pour égale e power, nous pouvons 20 e power 0.nt. Après, retirer 2 e power 0.nt fois x. Alors, ben terme x nous pouvons mettre un côté, et ben constant terme, et ben terme qui pène à x un côté, ici le négatif x, plus 2i power 0.nt. X égale, ici le 20i power 0.nt, avec retirer 20. Next, nous factorise x, les pouvons négatif n, plus 2i power 0.nt, égale, ici le 20i power 0.nt, retire 20. Nous faisons x vin subject. Là où nous avons factorisé 20, divine e power 0.nt retire n, en bas, dénominateur pour venir, ça, nous avons lié en bas, les pour venir 2 e power 0.nt retire n. Alors ça, c'est réponse pour partie B. Partie C, state what happens to the value of x when t becomes large. Alors nous répondons partie C. Alors, l'équation qui nous gagne qui connecte x et t, c'est ça. Alors, qui peut arriver quand t pour becomes very large. Alors, rappelle qu'il nous apprend que e power infinity, ça li tends to infinity. Mais e power negative infinity, li tends to zero. Li plus facile de travailler avec e power negative infinity. Alors, pour répondre à cette question, on a deux méthodes. Alors, méthode n, qui nous fait de faire t tends to infinity. Alors, si t tends to infinity, x peut tends to, li pour venir 20. E power 0.n fois infinity retire n sur en bas les pouvines 2 e power
0.n infinity retire n. Alors x potence 2, devine 20. Alors là, 0.n fois infinity, il peut venir infinity. Il peut toujours une grosse valeur infinity. Parce que 0.n fois infinity veut dire infinity divisé par 10, mais il peut toujours une grosse valeur. Alors il peut e power infinity et e power infinity, il fait infinity. Parce que nous apprenons que e power infinity tends to infinity. Alors là, il vient infinity, retire n. En bas, il peut venir 2 fois e power. Ici aussi, il peut venir infinity. Alors il vient 2 infinity. Retirer n. Next, Aster, rappelle bien que n, quand on travaille avec infinity, ça va n là, il pas faire l'effet, ou capable pas mettre li. Parce que quand on travaille avec infinity, ou retire n ou ajoute n, il toujours un gros valeur infinity. Veut dire ça dévoile là, x potence 2, nous capable pas casser la tête avec ça va infinity là, il vient 20, ça va négative n là, parce qu'il n'est pas fait l'effet quand on travaille avec infinity. Right? Et quand on va lui faire 2 infinity, infinity, infinity coupé, alors vous trouvez que x tends to 20 divisé par 10 divine 10. Alors, once, c'est x tends, ce soit approaches 10. The approaches 10. Ça, c'est méthode n quand on travaille avec e power infinity. Allez, assez nous avons envie de travailler avec e power negative infinity, nous avons la même réponse. Alors, méthode d. Alors, nous equation x égale 20 fois e power 0.nt. Nous sommes capables d'expandre. Alors, si nous expandons, il peut venir 20 e power 0.nt retiré 20 sur dénominateur 2 e power 0.nt après retirer n. Ok, alors ici nous venons 0.n. Alors, next, si nous pouvons faire t tends to infinity parce que déjà t becomes large, mais nous avons besoin de travailler avec e power infinity. Alors, ce qui nous a à faire. Nous sommes capables de multiplier le numérateur par e power négative 0.nt, là où est en bas. Alors, qui peut arriver là, nous pouvons gagner e power négative infinity si nous faisons ça. Allez, si nous prenons le premier terme ici, fois e power négative 0.nt, alors ça terme là, fois ça terme là, indices base pareil, nous ajoutons power, il peut venir 0. Alors, il peut venir 20, e power 0, il peut venir 20. Retirer ici, il peut venir 20, e power négative 0.nt, dénominateur. Ici, pour venir 2, retire e power négative 0.nt. À ce c'est même equation, même fraction. Si nous faisons t tends to infinity, là, x tends to 20, retire 20. Ici, pour venir e power négative infinity. En bas, il pour venir 2 e power négative infinity. Et e power négative infinity, nous connaissons tends to 0. Alors, 20 fois 0 fait 0. En bas, il vient 2, retire. Ici aussi, il vient 0. Alors, x tends to 20 sur 2. Alors, x tends to 10. Alors toujours, answer, même answer, x approaches, ou soit les tens, to 10. Alors ça c'est réponse pour partie C.